un film qui parle d'un jeune homme qui, pour pouvoir continuer à développer sa thèse, il est obligé de trouver un petit travail. Et pour cela, il trouve un travail de remplaçant dans un collège, en tant que prof de maths. Et du coup, par son biais, on va découvrir toute une bande de professeurs dans un collège, qui sont joués par François Cluzet, Louise Bourgoin, Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste. J'ai passé comme pas mal de gens, j'imagine, 18 ans dans le système scolaire. Pour certains, c'est plus, pour d'autres, c'est moins, mais c'est quelque chose qui touche, je pense, une bonne partie de la population, donc je me sens aussi touché. C'est un sujet que le réalisateur... c'est un sujet qui lui tient à cœur. Il a beaucoup de familles dans le milieu enseignant, sa mère est professeure. Ses films d'avant qui traitaient de la médecine et du système de santé, c'est des thèmes qui nous touchent un peu tous, quoi. Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair? C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour Pronote, quelqu'un pourra me montrer? Bien sûr, je te montre à la récréation si tu veux. Ouais, moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux. Ouais, moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal. Ce qui était bien déjà, c'était que c'était un rôle qui était assez différent de ce qu'il m'avait proposé avant, qui est un personnage qui ressemble un peu à Hagrid dans Harry Potter, je trouve. C'est un mec qui est professeur d'anglais, donc, et qui est plutôt un bon prof. Il a des bonnes relations avec ses élèves. Le plus souvent, il est plutôt du côté des élèves, même que des profs ou de l'administration. Et je sais pas, ouais, ça m'a vachement touché, même son histoire, parce que tous les personnages ont des parcours au sein du collège, mais aussi on les suit dans leur vie personnelle, et parfois on comprend le rapport, en tout cas le lien entre leur vie personnelle et les difficultés qu'ils trouvent, ou les succès qu'ils ont. Il m'a laissé énormément de liberté. Moi, je l'ai travaillé avec... j'ai pris une coach en anglais pour travailler, parce que j'ai un très mauvais accent anglais. Et en fait, j'ai fait quelques cours avec elle, et en même temps, Thomas n'avait pas forcément envie que j'ai un très bon accent ou un très bon niveau en anglais. C'était pas du tout ce qu'il recherchait, en fait, avec le personnage. Donc je suis désolé pour mes profs d'anglais. Pardon. What kind of main course do you like? Si je suis prof, c'est pour eux. Je les vois évoluer, je les vois grandir. Malcolm? Des hamburgers. In English, please. En tournant ce film, je me suis rendu compte, par exemple, que quand on doit se rendre dans une classe et intéresser 30 personnes, 30 jeunes personnes qui n'ont pas forcément envie d'être là, que ça devient en fait un métier, évidemment, un métier sérieux, un métier difficile à faire. Il y a un côté très théâtral et en même temps un côté humain qui est hyper fort. Dans le film, on se rend compte d'une chose, c'est que tout le monde est noté. Les élèves sont notés, les profs sont notés, les principaux... Les gens de l'administration, tout le monde est noté et tout le monde a... C'est comme si l'État était une espèce de chape de plomb qui mettait la pression à tout le monde, en fait. Du coup, je pense qu'il y a ça qui transpire dans le film, et je pense que c'est quelque chose que Thomas a voulu en tout cas montrer. Là, j'en ai beaucoup, en fait, qui m'ont marqué. Monsieur Kellen, mon prof de français au collège. Magnifique. En fait, il avait un rapport hyper frontal et hyper sincère, hyper honnête avec les élèves. Et en fait, quand on était dans sa classe, on se sentait considéré. Moi qui adore faire le pitre, par exemple, en classe, je sentais que j'avais le droit quand même de le faire, mais dans une certaine limite, quoi. Et je trouvais que c'était vachement intelligent de sa part de comme manière pédagogique, en fait, ou en tout cas comme ambiance de classe. Moi, ce que j'aimais aussi à l'école, c'était de pouvoir m'évader de l'école, justement. Et la première fois que j'ai joué, c'était en CE2, je jouais le businessman dans Le Petit Prince, et ça m'a carrément donné envie de faire du théâtre. Ouais.